il y en a un qui gagne, mais personne ne perd. Voilà, c'est dit. C'est le couronnement, c'est l'apothéose d'un semestre Eloquentia. Mais le fait de se mettre un peu en scène, de faire un personnage, permet en fait d'essayer de créer quelqu'un qui n'a pas assumé cette timidité. Ah mais là, je crois que vous allez me subir. C'est pas je regardais, vous allez me subir. Vous êtes tout le temps là. Que si j'avais été un peu plus jeune, ça m'aurait plu de tester comme ça. Ouais. Je dois vous quitter. J'ai d'autres chats à fouetter. Et ce sentiment, mesdames et messieurs, il a un nom, c'est la fierté. J'ai jamais passé une aussi bonne soirée. Vous faites honneur à la France ! Quel point faire rire, faire pleurer, émouvoir, c'est vraiment le plus beau sentiment du monde. Venez ! Pourquoi rester chez vous ? Mais on a déboulé aussi dans des collèges, dans des lycées, et même à Paris 8, on a slamé toi-même, tu sais. Assurance, avec aplomb, avec force, ce que vous êtes. Ne vous résiliez pas à être heureux, je vous en supplie. Vous êtes tous différents, mais vous êtes synchro dans vos fous rires. Vous êtes tous différents, mais vous êtes synchro dans vos soupirs. Donc longue vie à Eloquentia. Merci beaucoup. Et si ça t'intéresse, je te propose un jour de venir faire la première partie de mon spectacle. À voix haute, la force de la parole. Qui remporte la petite finale est Reda Moussi. Ça y est, vous.